Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons en Ardèche. Vous allez voyager au cœur d'un département magnifique, connu surtout pour ses paysages, son climat et ses atouts touristiques variés et contrastés. Au cours de cette escapade, nous vous ferons découvrir les gorges de l'Ardèche et naviguer au cœur de paysages sauvages de toute beauté. Et toi, Baptiste, t'es ardéchois ? Non, mais j'ai le cœur fidèle quand même. Nous vous emmènerons aussi visiter le village d'Entraigues-sur-Volanne, perché en hauteur sur de la roche volcanique. Mais tu crois que cette bande de machos, là, ils vont accepter que je joue un petit peu au boule ? Certainement, il faudra leur faire un peu violence. Enfin, nous partirons à la découverte de l'Ardèche verte, une bouffée d'air pur au cœur de ces vallées verdoyantes. La montgolfière, c'est vraiment super, super moyen pour découvrir l'Ardèche quand même. Ce voyage, c'est bien sûr en compagnie d'authentiques Ardéchois, fiers de leur région et de ses traditions, que nous allons l'entreprendre. Grâce à eux, vous allez plonger dans une Ardèche parfois inattendue. C'est à Vallon-Pont-d'Arc que nous commençons notre voyage. Idéalement positionné aux portes de l'un des plus beaux sites touristiques de France, ce petit village, paisible en hiver, voit sa population multipliée par 10 en été. Depuis le Moyen Âge, il garde l'entrée des gorges de l'Ardèche, l'un des paysages les plus spectaculaires de France. C'est avec une personnalité du coin que nous allons vous les faire découvrir. Natif de Vallon-Pont-d'Arc, Quentin, 27 ans, a été sacré en 2014 champion du monde de kayak descente. Et c'est au cœur même de ces gorges qu'il vient régulièrement s'entraîner. Je suis né ici, donc c'est un peu mon berceau, mon cocon. Et comme on dit, Ardéchois cœur fidèle, donc je m'en lasserai jamais, je la quitterai jamais, cette Ardèche que j'aime tant. À bord de son kayak, qu'il ne quitterait aussi pour rien au monde, Quentin nous emmène à la rencontre de Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Bah ça va super bien. Écoute, bon. Quelle surprise. Ouais. Bah, dis donc, on a des bateaux à l'opposé. Hein. Ouais, c'est pas les mêmes embarcations. Ça c'est clair. Animateur pédagogique, Baptiste enseigne aux visiteurs de tout âge comment observer et comprendre ce patrimoine naturel d'exception. Ok, bah je vais te passer une pagaie simple, ça va te changer. Ouais, d'accord. Et puis, je sais pas, tu t'installes, tu veux... D'accord, non, bah je vais te laisser barrer et tu vas me faire découvrir un peu ce que je connais pas. Ouais. Embarquement immédiat dans le canoë de Baptiste. C'est au pied du célèbre pont d'Arc, une arche naturelle qui surplombe la rivière l'Ardèche, que commence notre balade au fil de l'eau. C'est un bel ouvrage d'art, là. Tu sais un peu comment ça s'est formé ? Par les poissons, non ? Les poissons tailleurs de pierre, ouais, ça aurait pu, mais non. Non, non, bah, c'est la rivière, tout simplement. Hein. Ouais. Mais ça s'est pas passé en des millions et des millions d'années. Hein. Finalement, ça s'est passé très, très rapidement à l'échelle de la géologie. Ouais. En 600 000 ans seulement. D'accord. Et ici, c'est hyper profond. Hein. Ouais. On a 6 à 7 mètres de fond sous le pont d'Arc. Hein. D'accord. Et ça continue à creuser, en plus. Alors, quand il y a les grosses crues, ça creuse encore quelques millimètres. L'arche de pierre résulte du travail de l'eau qui, durant des millénaires, a creusé le calcaire jusqu'à le traverser et former un pont naturel.
site classé depuis 1982, le pont d'Arc, avec ses proportions monumentales, est un véritable spectacle à lui tout seul. Tu connais la dimension depuis l'eau jusqu'au sommet, à peu près ? Je crois, de mes souvenirs, de ce qu'on m'a dit, ça fait à peu près 60 mètres de haut et l'arche, elle fait 30 mètres. C'est ça, en fait, ouais. Il y a moitié roche, moitié vide dans le pont d'Arc. Hein. Ça va, j'ai retenu la leçon. Donc c'est 60 mètres, 30 mètres de roche, 30 mètres de vide. Ah, ouais, d'accord. Ça, les chiffres. Durant plusieurs siècles, le pont d'Arc a été utilisé comme passage naturel d'une rive à l'autre. Au Moyen-Âge, il a même servi de péage pour faire passer les marchandises. Éloignons-nous à présent de cette arche et descendons un peu la rivière. Les falaises des gorges, c'est un peu un trésor, parce que c'est les derniers écosystèmes d'Europe, quasiment, qui soient primaires, où l'homme, dans certains coins, n'a jamais mis les mains ni les pieds. Si vous aimez les paysages grandioses, vous ne pourrez qu'admirer cet immense défilé de falaises calcaires, pouvant atteindre 300 mètres de haut. Dans les falaises, on a 21 espèces de chiroptères. Tu sais ce que c'est, les chiroptères ? Chiro, c'est la main, et ptère, c'est l'aile. C'est les chauves-souris. D'accord. Donc on a beaucoup de chauves-souris ici. Hein. Il y en a une qui est protégée. Elles sont toutes protégées. D'accord. Toutes les chauves-souris ici sont protégées. Hein. Et là, on a la chance aussi d'avoir la rivière dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de larves d'insectes aquatiques qui vont être leur source de nourriture. Et puis, on a une grande forêt sans produits chimiques aux alentours. Donc, les insectes qu'elles mangent, ces chauves-souris, ne sont pas pollués. Plus d'un millier d'espèces végétales et animales vivent le long des 32 km de gorge, faisant de ce site l'un des plus remarquables de France. Et toi, Baptiste, t'es ardéchois ? Non, mais j'ai le cœur fidèle quand même. Non, moi, je suis arrivé un petit peu par amour, dans les deux sens du terme, en Ardèche. Je suis arrivé pour rejoindre la mère de mes enfants. D'accord. Et je suis arrivé aussi parce que moi, j'adore la nature. Et qu'ici, j'ai trouvé une diversité dans les environnements qui m'a vraiment plu. Hein. Depuis les sommets de l'Ardèche à 1700 mètres jusqu'à la fin des gorges à 50 mètres d'altitude, on a quasiment toutes les roches qu'on peut trouver sur la planète en Ardèche. D'accord. Et on a ce haut lieu géologique qui est la réserve des gorges. D'accord. Et moi, j'ai la chance, depuis 4 ans, de travailler dans cette réserve. Dans ce cadre. Du coup, t'en es tombé amoureux et tu veux plus repartir. Ah ouais, je me vois mal repartir dans le Nord. Je comprends. Poursuivons notre excursion au milieu des gorges vertigineuses et dirigeons-nous à quelques kilomètres de là. Non loin du village de Balazuc, niché au flanc d'une falaise, se trouve le hameau du Vielodon. Pour y accéder, vous n'aurez que deux possibilités, la marche ou bien la rivière. Quentin lui a fait son choix, ce sera en kayak. Salut Quentin. Salut Yann. Pas mouillé ? Ça va ? Non, ça va. Ancien directeur de l'association qui gère le site du Vielodon, Yann sera notre guide tout au long de la visite. Tu étais déjà venu au Vielodon ? Oui, j'étais déjà venu il y a 2-3 ans. D'accord. Et moi, tu vois, c'était il y a 35 ans. D'accord. J'étais jeune lycéen et je suis venu en vacances faire un chantier de jeunes bénévoles dans un immense tas de ruines incroyable. Ouais. Où on était 80 jeunes de un peu tous les pays d'Europe à se lancer dans cette restauration. D'accord. Un truc un peu fou quand même. Abandonnée par ses habitants au début du 19e siècle, la ferme du Vielodon tombe rapidement dans l'oubli. À la fin des années 70, 4 jeunes utopistes ont eu l'idée de réhabiliter le site alors en ruine. Depuis 40 ans, des chantiers jeunes sont organisés et les volontaires venus des 4 coins du monde sont de plus en plus nombreux. Donc au début, c'était pour construire et après, vous avez commencé à faire venir des animaux. Voilà, c'est-à-dire qu'après, les chantiers se sont poursuivis et la ferme s'est développée. Puis on a fait de l'insertion sociale avec des jeunes en difficulté. Ouais. Puis on a monté nos 2 structures d'hébergement. Puis on s'est mis à faire de la formation, donc pour partager nos savoir-faire sur les questions de l'animation, des ateliers cuisine, des ateliers jardin, de l'hygiène en alimentation. Enfin, plein de formations qu'on nous a demandé de faire qui étaient liées à notre expérience. D'accord. Véritable havre de paix, ouvert à tous, cet éco-village est un lieu à la fois éducatif, écologique et entièrement autonome. Depuis 1979, cette ferme élève entre autres une 30aine de chèvres. Voilà le bouc. Ça, c'est le bouc.
bouc massif et central. Et après, c'est que des femelles. Alpine chamoisée. Ah oui, là, il n'y a que des femelles et elles sont pleines. Elles ont été saillies en septembre. Donc, elles ont un chevreau, là, qui va naître en février. Et donc, la lactation va redémarrer à ce moment-là. D'accord. Il y a 250 hectares de garrigue sur lequel elles pâturent et qui donnent ce bon lait très riche, le lait de la garrigue. Si vous aimez les produits à base de lait de chèvre, alors dans un des recoins du hameau, vous allez trouver votre bonheur. Donc, on arrive à la fromagerie. Et avant de rentrer, il faut qu'on s'équipe. Ah ouais, donc, d'accord. Tu as droit à un petit tablier et la petite Charlotte, tu vas voir. Ce sera très beau. Magnifique. C'est super. Bon, voilà, eh ben, c'est allons-y. Parti pour faire du fromage. Suzanne, on arrive. Suzanne est la fromagère de la ferme. Chaque jour, elle fabrique ici une petite centaine de fromages artisanaux. Avec elle, vous allez pouvoir apprendre à fabriquer du picodon, un fromage de chèvre typiquement ardéchois. Du coup, là, le lait que tu as là, ça vient des chèvres qu'on a vues tout à l'heure. Ah oui, oui, tout est produit ici. La particularité de cette fromagerie, c'est qu'ici, le picodon est fabriqué de manière totalement artisanale. Une fois le petit lait enlevé, le moulage à la louche peut commencer. Donc l'idée, c'est de faire des louches. Comme ça, comme quand tu fais des blancs en neige. Le caillis, il est fragile. Et du coup, on met une louche dans chaque moule. D'accord. Est-ce que tu veux essayer ? Bah allez, pourquoi pas. C'est comme à la maison, là. Donc voilà. Ah oui. Il y a habitude avec la pagaie. On sent qu'il y a un coup de patte. Hein. Technique ancestrale, le moulage à la louche empêche le caillé de se briser en petits morceaux. Dans quelques heures, Suzanne pourra démouler ses fromages, les saler et les faire sécher. Ça, là, ça va ressembler exactement à ça. Tout à fait. Dans 24 heures. Donc là, c'est ce que j'ai démoulé ce matin. Donc on voit qu'ils sont vraiment blancs. Et là, on commence à voir la moisissure qui apparaît. Donc c'est ceux que j'ai démoulés avant-hier. Ils sont plus ivoires. Ces petits délices ardéchois, vous pourrez vous les procurer dans la boutique de la ferme ou mieux encore, les déguster directement sur place. Au menu aujourd'hui, tartines de chèvre chaud sur un lit de tomates basilic. Ah, super. Merci Claire. Elles sont magnifiques. Bon appétit. Merci. C'était prévu si grand. Wow. Donc là, c'est le pain d'ici, le chèvre chaud. Eh bien, le fromage que tu as fait tout à l'heure, dans quelques jours, il sera susceptible d'arriver sur cette tartine. D'accord. Une petite buvette conviviale qui valorise la production de la ferme ainsi que celle des producteurs locaux. L'aboutissement de 40 années de dur labeur et de passion. Et l'avenir du vieil Odon, du coup, tu le vois comment ? Moi, en ce moment, je suis un peu place aux jeunes. Ouais. Et donc, si tu veux, en 40 ans, on a réussi à restructurer les ruines. Il y a toujours des chantiers de jeunes, donc il y a toujours un intérêt pour des jeunes à vivre une aventure collective dans cet endroit et continuer à le reconstruire. C'est ce qu'on voulait faire au départ, ramener la vie au vieil Odon. Et donc maintenant, c'est la vie qui décide un peu à notre place. C'est un pari réussi. C'est peut-être tant mieux, oui. Que vous soyez simple visiteur ou bien à la recherche d'une formation, le hameau et ses habitants vous accueillent toute l'année. Et qui sait, un jour peut-être, vous apporterez votre pierre à l'édifice. Notre voyage se poursuit à quelques kilomètres de là, tout au sud de l'Ardèche. C'est à la bastide de Virac que Quentin nous invite à faire une halte. Un village qu'il connaît bien, il y vit depuis plusieurs années. Ici, la fierté des habitants, c'est un édifice classé au monument historique, le château des Roures. Construit sur un piton rocheux, il veille sur sa ville fortifiée depuis plus de 6 siècles. Pour nous le faire découvrir, Quentin nous emmène à la rencontre du propriétaire et habitant des lieux. Salut Jean-Louis. Ah, bonjour Quentin, comment tu vas? Bien. Jean-Louis et son chef de chantier commencent à peine la restauration d'une des 2 tours du château. Un travail délicat à plusieurs dizaines de mètres du sol. Je vais te faire passer les tuiles, s'il te plaît, pour les ranger au bord parce qu'on va être vite. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, on va la remonter d'un étage et dessus, on va refaire le toit pointu tel qu'il était au Moyen-Âge, dans sa partie la plus face, c'est-à-dire au 15e. Et en fait, cette tour, pourquoi elle était rasée ? Mais parce qu'en 1629, c'était un bastion protestant et les protestants n'avaient plus le droit d'avoir de place forte. Et là, ça s'appelle les toits de l'infamie.
D'accord. C'est un signe de protestation. C'est un signe de protestation. Voilà. D'accord, ok. Théâtre des guerres de religion, cet ancien bastion a été en partie rasé au début du XVIIe siècle par ordre du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Ainsi, tout le système défensif du château a été détruit. Depuis des années, Jean-Louis restaure cet édifice imposant. Son but, lui redonner sa splendeur d'antan. Et toi, tu y es en fait depuis quand au château ? Mes ancêtres, ils sont venus en 1758 comme métayer. Ouais. Et ils l'ont racheté en 1825. 1825, d'accord. Et depuis, c'est resté dans la famille. D'accord, et du coup, de père en fils et fille, et ben voilà, vous avez continué à garder... Depuis 86, je travaille à l'année ici. Je participais au gros de la restauration, c'est une passion. Et c'est vrai que c'est un travail immense, il ne faut rien calculer. D'accord. Et avoir que ça comme objectif. 30 années de travail et de passion. Direction à présent la cour intérieure du château. Car vous allez voir que sa restauration n'est pas encore tout à fait terminée. Là, en ce moment, on est en train de faire la restauration de ferronnerie, tu vois. On avait ce modèle qui a été conservé quand ils ont rasé le château. Et on a refait tout le tour du château. On a refait une quinzaine de grilles. Une quinzaine de grilles. Mais d'ailleurs, là, il y a le forgeron qui est en train de travailler. On peut aller voir si tu veux. Jörg est forgeron depuis 10 ans. C'est lui qui a en partie restauré les ferronneries du château. L'observer travailler, c'est un peu se replonger dans le savoir-faire d'autrefois. Là, il attend que le fer chauffe. Voilà, il ne faut pas qu'il brûle, il faut que ce soit juste un peu grenat. Ça prend combien de temps pour faire une grille ? La grille, on arrive à la faire, une fois qu'on a eu le modèle et qu'on a les gabarits et tout, on arrive à la faire en un jour et demi. En un jour et demi, là, de faire une grande grille comme ça. D'accord. Marteler le fer à la force du bras n'est pas aussi simple qu'on le croit, même pour un sportif de haut niveau. Un métier qui requiert une grande maîtrise, d'autant plus dans le cadre d'une restauration. Voilà, tiens-le. D'accord, et là ? Et là, je tape tout le long. Voilà, et après, voilà, il faut le tourner. Et tu redresses de l'autre côté. Là, il faut le retourner. Pas trop mal, ouais. Très, très bien. Et du coup, pour toi, Jean-Louis, ça te semblait important en fait, de les refaire comme à l'époque du Moyen-Âge ? Ben oui, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu regarderas les grilles des fenêtres. Si je te dis pas, tu ne sauras pas laquelle on a refait. Ah, on ne peut pas voir la différence. D'ailleurs, regarde, est-ce que ça va, ça ? Oh, c'est beau. C'est beau ? C'est beau, oh là là ! Pour la première fois, c'est fantastique. Écoute, Quentin, tu auras participé à la restauration du château. Cet hiver, on va t'embaucher, voilà. Je crois. Ben super, mais par contre, il faut me manquer un peu plus. Hein. Ouais. Jean-Louis et son équipe ont su redonner vie à ce petit bijou de l'art médiéval sans jamais altérer son architecture originelle. Un château incontournable que nous vous recommandons vivement d'aller visiter. À moins de 10 km de la Bastide de Virac, entre les gorges de l'Ardèche et la vallée de la Cèze, se trouve l'Avenne d'Orgnac. Avec ses 5 km de galeries souterraines, cette grotte est l'un des sites les plus touristiques de l'Ardèche méridionale. Stéphane est guide spéléologue et gardien de l'Avenne d'Orgnac depuis 10 ans. Mais ce n'est pas à l'entrée officielle du site qu'il a donné rendez-vous à Quentin. Salut Stéphane. Bonjour Quentin. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ouais, ça va. Tu connais l'Avenne ou pas ? J'ai déjà vu, mais par là, jamais. Voilà, donc ça, c'est l'entrée naturelle. D'accord. Donc on s'imagine pas, en voyant ici, ce qu'il y a dessous. Et donc je te propose de voir l'Avenne, mais autrement. D'une façon que tu connais pas encore. Super. Stéphane souhaite faire découvrir à Quentin l'Avenne d'Orgnac sous un angle totalement insolite. Alors là, tu ressembles à un spéléo. Une expérience hors du commun qui risque de donner des vertiges aux âmes sensibles. Donc si tu veux t'approcher, Quentin, il faut que tu te plonges là. Tiens, regarde. Ah ouais. Ah ouais, quand même, hein. Donc ça, c'est la seule et unique entrée naturelle qu'on connaisse sur l'ensemble des 4 km de réseau. Donc c'est par là qu'il y a 80 ans, Robert de Jouy est descendu pour la première fois. Et ça fait combien de mètres ? 40 mètres pile, depuis la plateforme jusqu'au sol en bas. Et ce que je te propose, c'est de refaire ce que de Jouy a fait pour la première fois il y a 80 ans. Tu vas voir, c'est une autre vision de la salle. D'accord. Grand spéléologue français, Robert de Jouy a découvert la grotte en 1935. À l'aide d'une simple échelle de corde, c'est le premier homme à être descendu dans ce puits naturel. C'est bon ? Ouais, parfait. Allez, on est parti. C'est parti. Les pieds dans le vide, suspendus au bout d'une corde,
il suffit de quelques secondes de descente en rappel pour apercevoir les premières lumières de la grotte. Alors ? Ça envoie, hein ? Ah non, mais non, mais ouais, c'est... C'est énorme ! C'est une vue complètement différente. C'est magnifique. Chef-d'œuvre de la nature, la grotte offre des volumes pharaoniques avec des plafonds selon les salles pouvant atteindre 55 mètres de hauteur, soit l'équivalent des chutes du Niagara. Alors ? Spectaculaire, hein ? C'est magnifique, hein ? C'est grandiose. Donc la salle qui est là, elle fait plus de 6300 mètres carrés de surface. Les plafonds les plus hauts sont à 35 mètres de hauteur. Et là, Quentin, on commence juste. Maintenant, je vais t'amener dans les plafonds de la salle qui est là-bas. D'accord. On y va ? Eh ben allez, c'est parti. Fais gaffe, ça glisse. Ok. Nos deux sportifs ne vont pas emprunter le parcours touristique traditionnel. Ils vont le surplomber. Tu vois, c'est la revanche des petits ici. Je vais avoir un avantage sur ouais, toi. Ouais, d'accord. Là, il faut pas être gros, ouais. Je sens que ça va être sport. Ça va être brave. Encordés à plusieurs mètres de hauteur et via un itinéraire aménagé, ils vont pouvoir observer des facettes insoupçonnées de la Veine. Unique en France, ce parcours appelé Vertige Souterrain est ouvert à tous les amateurs de sensations fortes. Tu viens prendre le nœud main gauche, là, et là, ça passe tout seul. Et là, toi, Stéphane, c'est toi qui as équipé tout ça ? Ouais. Sur l'ensemble des 250 mètres de cordes qu'on a mis en place, il n'y a pas un bout de ferraille, pas un segment chimique, rien. Que de l'amarrage naturel, des coinceurs, des anneaux de corde. C'est-à-dire que le jour où on arrête l'activité, on enlève la corde et il n'y a après, plus aucune trace. Tu vois plus rien. C'est un hold-up, ça se voit plus. 250 mètres de corde pour environ 3 heures de haute voltige dans les plafonds de la grotte. Stalactites, draperies et autres concrétions calcaires étonnantes font de cette Avène une des plus belles grottes d'Europe et un espace unique de conservation du milieu souterrain. Et vous allez voir que le grand frisson est réservé pour la fin de l'activité. Donc si j'envoie de la corde dans mon descendeur, tu descends. Ouais. Si j'envoie de la corde vite, tu descends vite. Ouais. Et si j'envoie de la corde doucement, tu descends doucement. 40 mètres de descente vertigineuse clôturent le parcours. Un plongeon dans le vide, loin de rassurer notre sportif de haut niveau. On va un peu plus vite quand même. Allez, un peu plus vite. Ouais. Waouh ! Waouh ! Et là ? Oh. Hey, Quentin ! Ouais ? Ma corde est trop courte, faut que tu remontes. C'est chouette, hein ? Ah, c'est génial. Yes ! Que vous souhaitiez le découvrir vu du sol, ou bien à plusieurs mètres de hauteur, la Veine d'Orgnac est un trésor qu'il ne faut absolument pas manquer lors de votre prochain passage dans la région. Mais bien que spectaculaires, ces grottes ne sont pas les seuls trésors de ce département. Lorsque vous serez sur place, nous vous recommandons de pousser à une quarantaine de kilomètres plus au nord, en plein cœur des parcs du Mont d'Ardèche. Perché sur un piton basaltique, Entraigues-sur-Volanne est un joyau niché dans l'écrin sauvage de la montagne ardéchoise. Surplombant la vallée de la Volanne, ce petit village de caractère vous séduira par son architecture pittoresque et son ambiance méridionale. C'est ici que vit Lisa depuis 25 ans. Tombée amoureuse de l'Ardèche, elle n'en est plus jamais repartie. Je me plais toujours autant ici. Je suis allée des tas d'endroits et je pense que c'est vraiment la plus belle région de France. Lisa connaît très bien son village, mais pour enrichir ses connaissances à son sujet, elle peut toujours compter sur Bernard, l'ancien maire d'Entraigues-sur-Volanne. Il est beau ce pont, hein ? Eh oui, c'est le pont de la Tourasse, en référence à la Grande Tour, là, au clocher des Léguides. Et ce n'est pas un pont qui est très ancien, il a peut-être deux siècles seulement. Et surtout, autrefois, c'était l'accès principal au village. À l'époque, bien sûr, on ne pouvait y accéder qu'à pied, à cheval et surtout avec les mulets. Un pont pittoresque qui offre l'une des plus belles vues sur le village. Pour accéder au cœur de la cité, il vous faudra emprunter ces rues en pente pavée et qu'ici, on appelle des calades.
tu sais comment s'appelle cette calade? Ah oui, ça je sais, c'est le chemin des lavoirs. Eh bien pas du tout, c'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler, parce que normalement, ça c'est le chemin des endettés. Mais pourquoi au départ ça s'appelait chemin des endettés alors? Eh bien, il y avait des gens qui avaient quelques dettes, notamment chez le boulanger et chez l'épicier. Alors, lorsqu'ils allaient le dimanche à la messe, ils ne voulaient pas traverser le village. Et donc c'était un chemin d'évitement qui leur permettait d'arriver jusque sur la place sans avoir à passer devant les commerces. Qui étaient de l'autre côté, en bas alors. Voilà, qui étaient le long du cœur du village. D'accord. C'est quand même plus élégant, le chemin des lavoirs, non? C'est plus neutre, disons. Ici, à Entraigues, chaque calade regorge d'anecdotes sur l'histoire du village et de ses habitants. Des histoires qui restent longtemps gravées dans les mémoires. Bon, tu te souviens, Lisa? Tout ça, ce sont de bons souvenirs. Hein. Tout le village qui s'y était mis. Je me souviens des filles qui étaient assises autour de la place, avec leurs burins, leurs pierres par terre. En 1995, le célèbre artiste et ancien maire du village, Jean Saussac, invite tous les habitants à sculpter des têtes en les taillant directement dans les murs de leur maison ou sur des pierres de lave rapportées des volcans alentour. Pour réaliser ce projet, il s'est inspiré de deux visages sculptés et dont personne ne connaît ni la date ni l'origine. Aujourd'hui, pas moins de 70 têtes ornent les façades des habitations de cette ruelle. Et ce visage-là, c'est toi qui l'as sculpté? Je ne l'ai pas sculpté, mais par contre, je l'ai implanté. C'est-à-dire, j'ai mis une échelle contre le mur, j'ai retiré une pierre, et ensuite, avec du mortier, j'ai implanté la tête qui avait été sculptée par je ne sais qui. Oui, ce n'était pas forcément le plus intéressant, ce que tu as fait, toi. C'était utile. Une activité utile, voire même essentielle à Entraigues. C'est le jeu de la longue. Tous les dimanches, quand le temps s'y prête, les joueurs se retrouvent ici sur la place du village. Oui, c'est la tradition du village, ça. Ah, les boules à Entraigues sur cette place-là, vraiment, c'est l'activité numéro un. Hein. Et si on veut faire partie du village, il faut jouer aux boules, c'est ça? C'est préférable. Surtout les hommes, hein? Surtout les hommes. Ouais. Hein, peut-être bien qu'on est un peu machiste, oui, ça, c'est pas impossible. Mais tu crois que cette bande de machos, là, ils vont accepter que je joue un petit peu au bout? Certainement, il faudra leur faire un peu violence. Elle est assez belle, c'est bon. Allez, on y va. Si, comme Lisa, l'envie de jouer vous prenait, alors n'hésitez pas à rejoindre les habitués de la place. Ils vous initieront à la longue. Malgré les apparences, ce jeu est bien différent de la pétanque. Bien joué! Bravo! La place du village garde en mémoire les parties de longue chères au cœur de Jean Ferrat. Le chanteur, installé ici en 1964, y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. C'est à lui que l'on doit en grande partie la renommée d'Entraigues sur Volanne. Quittons l'ombre des châtaigniers du terrain de longue pour mieux la retrouver à quelques petits kilomètres de là. C'est ici, au cœur de cette châtaigneraie, que Lisa a rendez-vous avec Gabin. Salut Lisa. Salut. Ça va? Ça va. Toi? Bienvenue chez nous. Salut. Ah, toute la famille est là. Gabin est castanéiculteur, comme son père Joël et son frère Émilien. Une entreprise familiale spécialisée dans la production et la vente de châtaignes. Et là, c'est tout à vous, tout ça? C'est tout à nous. Donc l'exploitation compte environ 15 hectares et demi de châtaigneraie. Et les arbres, ils ont quel âge là? Oh ben ça varie, il y en a qui sont plutôt jeunes, il y en a même qui ont certainement plus de 300 ans. Et vous êtes là depuis combien de temps, ta famille? Avant, ça appartenait au grand-père de mon père. Ouais. Et déjà avant lui, donc, il y avait des oncles qui possédaient ce verger. Il y a très longtemps alors que vous êtes là. Il y a déjà très longtemps, ça fait plusieurs générations. Oui. Gabin fait partie de la quatrième génération à vivre de la récolte de châtaignes. Ici, en Ardèche, ce fruit existe à l'état naturel depuis toujours, bien que sa production a véritablement commencé au XIIIe siècle. Historiquement, c'est l'arbre à pain. C'est l'arbre qui a nourri des générations d'Ardéchois, qui faisait la farine, qui faisait un fruit très productif. Donc à partir de là, ça a nourri beaucoup, beaucoup de monde. Amateurs de sols acides, les châtaigniers prospèrent principalement dans les zones montagneuses, comme ici en Ardèche. Des terrains en pente qui ont rendu sa récolte longtemps difficile. On laisse descendre les châtaignes au fond des filets.
Aujourd'hui, grâce au ramassage mécanique, Gabin et sa famille peuvent relever les deux tiers de leur production annuelle à l'aide de cette machine aspirante. Mais vous allez voir que cette technique n'est pas non plus de tout repos. Tout simplement, je vais te tenir le filet, moi. Je vais te tenir un petit peu tendu, parce que tu vas voir, il y a quand même pas mal d'aspiration. Ma mamie. T'es prête ? Attends, faut mettre le casque, non ? Il faut, ouais. Émilien ? Lisa, notre castanéicultrice novice, a pour objectif de ramasser toutes les châtaignes tombées dans le filet. Ça tous les jours, quand même. Ah, une fois aspirés, les fruits sont ébogués et directement envoyés dans ces sacs. Il va sans dire que cette bruyante récolteuse offre un gain de temps considérable à nos producteurs. Mais les prouesses mécaniques ont leurs limites ici à la châtaigneraie. Après avoir été une première fois triée dans cette calibreuse, c'est à la main que l'ultime sélection s'effectue. C'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur les deux variétés de châtaignes produites ici, la bouche rouge et la combale. Et là, c'est quoi déjà, les bouches ou les combales ? Alors là, c'est les combales. Et moi, je ne suis jamais arrivée à les différencier. Comment tu fais ça ? Déjà, la combale, en principe, elle est quand même d'apparence plus terne que la bouche. Ouais, elle a un aspect vachement plus sombre, ça se voit bien là. Ouais. La bouche est vachement plus rouge. Et puis, tu as aussi cet aspect de la partie de dessous qu'on appelle la queue. Elle est vachement plus petite sur la combale. Tu vois ? Hop, regarde, comme ouais. Elle est allongée sur la bouche. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que la bouche, elle n'a qu'une seule amande. Ouais. C'est-à-dire que c'est celle notamment dont tu vas te servir pour faire les marrons glacés. Et c'est celle-ci, la reine. C'est la reine de la châtaigne, c'est la bouche rouge. La reine de la châtaigne, exactement. C'est la bouche rouge. Exactement ça. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Qu'elle soit grillée, glacée ou sous forme de farine, la châtaigne vous séduira par son goût subtil et ses vertus nutritionnelles. Alors attrapez votre panier et promenez-vous le long des sentiers, car ici, les châtaignes n'attendent qu'une chose, être ramassées et surtout dégustées. Lisa nous emmène maintenant un peu plus loin, dans la ville de Vals-les-Bains. C'est dans cette brasserie, située au bord de la Volane, que l'attend Christian, le directeur des lieux. Avec lui, vous allez découvrir comment on fabrique de la bière artisanale à base de châtaigne. Bonjour Christian. Bonjour Lisa. Ça va ? Bien, toi ? Bien. Au milieu de tes bières ? Ben oui, comme d'habitude. Alors ici, il n'y a rien. Oui. Ça se passe tout au sous-sol. D'accord. On y va ? On y va. Grand amoureux de l'Ardèche, Christian a choisi de la mettre en avant au travers de sa bière. Ici, chaque jour, il en fabrique à partir de produits tels que la châtaigne, mais aussi la myrtille, le nougat ou encore la verveine. Un travail que Christian fait en étroite collaboration avec Eric, le maître brasseur. Donc aujourd'hui, nous allons brasser une bière à la châtaigne. Donc nous utilisons différents types de malt qui vont donner un goût et une couleur à la bière. Vous voyez, par exemple, ici, c'est du malt Pilsen. Et ensuite, ça, c'est un malt chocolat. Santé les différents types de malt. Et c'est le mélange de ces plusieurs sortes de malt qui font la typicité de la recette. 400 kg de malt sont nécessaires pour fabriquer 3000 litres de bière. Dans un premier temps, Eric le verse dans la trémie, un moulin conçu pour moudre cette céréale germée issue de la torréfaction de l'orge. Alors voilà, maintenant Lisa, on arrive à la phase empâtage. Donc tout ce qui était dans le moulin est projeté dans cette cuve et mélanger avec de l'eau chaude. D'accord. Je referme parce qu'il faut que ça reste chaud. Voilà, et donc, pour notre fameuse bière au marron d'Ardèche, oui. c'est de la brise de châtaigne que nous mettons dedans. Et c'est de la châtaigne ardéchoise. C'est de la châtaigne ardéchoise qui vient de Bise. Ah ben c'est bien. Et que tu peux goûter parce que tu sais, finalement... C'est local. Tout ce que nous mettons dans notre bière, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Et pour que la bière obtienne ses délicieux arômes de châtaigne, elle doit fermenter plusieurs jours dans ses cuves. Mais heureusement pour Lisa, pas besoin d'attendre jusque-là pour pouvoir y goûter. À la tienne. Waouh ! Et ça t'a pris combien de temps pour élaborer une bière comme celle-là au marron ? Pour élaborer cette bière, c'était en plus notre début. Et on a mis pratiquement 2 ans avant d'être vraiment au point. Avant de la faire, quoi, voilà. Oui. Et donc, parce qu'il y a eu la recette, il y a eu la recherche du producteur local. Et l'eau, c'est de l'eau de Vals ?
C'est de l'eau de Valls. Donc tout est local. Tout est local. Donc c'est un bon produit. C'est un produit. Merci, c'est un bon produit. Fort de son succès en France, la bière aromatisée et artisanale de Christian s'exporte jusqu'au Brésil et même aux États-Unis. Preuve irréfutable que le mariage entre la bière et l'Ardèche fonctionne très bien, même au-delà de nos frontières. Nous quittons désormais Vals-les-Bains pour la troisième étape de notre voyage. Direction le nord du département. Nous allons vous faire découvrir le Haut-Vivarais, plus communément appelé Ardèche verte. Un territoire qui bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Beaucoup moins connu que Vallon-Pont-d'Arc ou Entraigues-sur-Volanne, Tournon-sur-Rhône vous surprendra par son atmosphère si particulière, son patrimoine et sa vue imprenable sur le Rhône. Philippe est reporter photographe. Depuis des années, cet Ardéchois sillonne avec passion son département. Son but, le mettre en valeur ainsi que ses habitants. L'Ardèche verte, c'est un territoire particulier qu'il faut absolument découvrir. C'est une autre Ardèche. Pour démarrer en beauté notre séjour en Ardèche verte, Philippe a choisi de nous faire découvrir la vallée du Doubs. Et c'est ici, à la gare de Tournon-Saint-Jean, à bord de cette locomotive à vapeur, que l'aventure ne va pas tarder à commencer. Aux commandes de ce train, Thibaut et Kevin, respectivement chauffeur et mécanicien. Coup de sifflet, panache de fumée et effluves de charbon nous plongent immédiatement dans un autre siècle. C'est parti pour une balade inoubliable de 30 minutes dans cette machine centenaire. Dis-moi Thibaut, pourquoi tu conduis des trains toi ? C'est un rêve de gamin pour moi ? Ouais, c'est un peu un rêve de gamin. Aujourd'hui c'est un métier, mais avant c'était un rêve de gamin. Ouais. Et donc ton rôle à toi, c'est chauffer la chaudière. C'est chauffer, voilà. D'accord. Je mets le charbon, je mets l'eau. Contrairement aux idées reçues, le chauffeur de la locomotive n'est pas son conducteur. C'est le mécanicien qui conduit en jonglant avec le régulateur et le frein afin de respecter la vitesse imposée. Tous les jours en période estivale, cette locomotive tracte jusqu'à 9 voitures, soit environ 50 tonnes. Et pour maintenir la vitesse entre 20 et 25 km/h, une seule solution, le charbon. Allez, c'est bon pour moi. C'est parti. Allez. Allons au fond. Au fond, plus loin. Au fond. Allez, plus loin. À gauche maintenant. À gauche. Super. Bon. Super. Nickel. Après s'être mis dans la peau d'un chauffeur du début du 20e siècle... Bonjour. Philippe va pouvoir souffler un peu à l'intérieur de l'un des wagons authentiques tapissés de bois. Confortablement installés, les passagers ont tout le loisir de voir défiler les paysages spectaculaires de l'Ardèche verte. Vous entrez dans la zone des étroits, protégée pour sa faune et sa flore. Donc les failles dans les rochers sont apparues à la naissance des Alpes qui ont soulevé le massif central. Angelica a 22 ans, c'est le chef du train. Son rôle, accompagner et informer les voyageurs durant tout le trajet. Bonjour Philippe. Bonjour Angélica. Est-ce que vous avez passé un bon voyage? Écoute, c'est un paysage magnifique, je trouve. Oui, là c'est typique, sachant que le paysage, on peut le voir uniquement par la voie ferrée. C'est un beau voyage. Un voyage unique sur cette voie ferrée qui permettait autrefois de relier l'Ardèche à la Haute-Loire. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour redonner vie à cette locomotive. Une reprise de service qui comblera tous les amoureux des trains à vapeur. Si cette balade en train vous a ouvert l'appétit, alors il est grand temps pour Philippe de vous emmener dans l'un des meilleurs établissements de Tournon-sur-Rhône. Avec lui, vous allez découvrir un plat traditionnel ardéchois cuisiné avec les bons produits du terroir. C'est dans ce restaurant qu'il retrouve Cyril, chef et propriétaire des lieux depuis 17 ans. C'est pourquoi je suis venu te voir. Pour les caillettes, j'imagine. Ton petit secret. Allez, suis-moi en cuisine.
La caillette est une spécialité que l'on peut déguster en Ardèche, mais aussi dans la Drôme. Elle se consomme froide ou chaude et peut être déclinée sous de nombreuses recettes. Depuis des années, Cyril propose à sa carte ce plat à base de viande de porc, de salade et de blettes, en suivant une recette unique, celle de sa grand-mère. La caillette de ta grand-mère? Ouais. Tu vas me donner la recette? Je sais pas. Tu sais ce que c'est les recettes? Ah hein? Oui, je sais. Ouais. Mais je pense que tu vas faire un bon commis. Alors, bon commis, hop. C'est-à-dire? Eh ben, tu vas m'aider. Regarde, je t'allume le hachoir. Tu vas me passer les morceaux de viande. Il y a un là... sens là pour on peut alors, un peu de. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, ça fait déjà un pré-mélange, c'est de mettre un petit peu d'herbe et un petit peu de viande à la suite. Confectionnées à l'automne, lors de la tuade du cochon, les caillettes sont préparées dans les fermes d'Ardèche et de Drôme depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, elles se consomment toute l'année pour le plus grand bonheur des Ardéchois et des touristes. Et toi, Philippe, qu'est-ce que vous mettiez dans les caillettes? Eh ben, chez moi, on met que de la blette. Que de la blette, ouais. Parce qu'il y en a qui font avec de la pomme de terre, il y en a qui font avec du chou. Chaque famille a sa recette. Voilà. Hein. Alors, chaque grand-mère a sa recette. Eh oui, chaque grand-mère. Et pour réaliser de belles caillettes, l'utilisation de la crépine s'impose. C'est une membrane qui entoure la pince du porc. Alors tu vois, regarde comme c'est beau. Regarde il y a ça. De la dentelle. Tu vois, plus osé, on dit que ça ressemble à un barésie. Mais bon, je sais pas si y a des femmes qui voudraient porter ça. Quand même. Non. Non seulement cette crépine va apporter du maintien aux caillettes, mais elle leur donnera en plus une texture légèrement croustillante. Il y a une technique particulière là, pour bien réussir sa caillette? Il y a un petit truc bah, là, tu vois ce qu'on vient de faire, ça reste quand même simple. J'ai pas une technique à donner aux gens, j'ai juste un conseil. Ouais. C'est d'utiliser des bonnes matières premières. Voilà. Allez, c'est parti, tu vois, on va mettre ça au four. Mets ça au four? Ouais, regarde. Hop là, regarde four. Ça. Four à combien? Et tac, 180 degrés. 180 degrés. Et c'est parti pour 20 minutes. Allez. Et pour accompagner ces caillettes, quoi de mieux que la crique? Une galette à base d'œufs, de crème fraîche, de ciboulette, sans oublier les pommes de terre et les oignons ardéchois. L'idée de ma cuisine, moi, c'est de travailler des produits frais. Et de travailler des produits qui viennent de pas trop loin. Et en faisant travailler un maximum de paysans ou de producteurs locaux. Voilà, ceux qui en bavent et qui ont toujours les pieds dans la terre. Parce qu'à Tournon, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher pour trouver plein de beaux produits. On a les oignons de Tournon, il nous reste un producteur encore. Je peux trouver des pommes de terre, je trouve des navets, je trouve des radis noirs, je trouve des radis red meat. La recette touche presque à sa fin. La crique est retournée habilement par Philippe, notre commis. Super. Tandis que les caillettes, tout juste sorties du four, crépitent d'impatience à l'idée d'être mangées. Bah là, je pense que ça annonce le repas, là. Hein. Ouais. En tous les cas, Cyril, pour l'instant, ça sent super bon. Bon. Le problème avec les caillettes de Cyril, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochaine halte à Tournon-sur-Rhône. En tout cas, Cyril et Philippe, eux, ne se font pas prier. Mmh. C'est vraiment des caillettes que j'aime, ça. Dis-moi, ta grand-mère, c'était comment son petit nom? Jeannette. Jeannette? Bah écoute, mon ami. Tina Jeannette. Tina Jeannette. Mmh. Ils sont bons, ce vin. Quittons le restaurant de Cyril et la fameuse caillette de Jeannette pour nous rendre à quelques kilomètres de là. Toujours dans le Haut-Vivarais, se trouve Annonay. Bâtie au creux de sept collines, cette ville garde encore les traces d'un passé chargé d'histoire. Car à Annonay, la tradition du parchemin existe depuis le Moyen-Âge. Et si cette industrie de la peau a été la première de la ville, aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule parcheminerie. Frédéric est à la tête de cette entreprise familiale depuis 1986. C'est lui qui va tout nous apprendre sur la fabrication du parchemin. Le parchemin, c'est du papier, c'est du cuir? Ah non, le parchemin, c'est pas du papier. C'est une matière qui est animale. Le papier, c'est végétal, le parchemin, c'est animal. La différence entre le parchemin et le cuir? Le parchemin est une peau qui n'est pas tannée, alors que le cuir, ben ça, c'est une peau qui est tannée. Mais pour que ce soit plus clair dans ton esprit, je te propose d'aller à l'atelier de Rivière et tu vas me voir fabriquer du parchemin. Direction l'atelier, où chaque jour, Frédéric fabrique ses parchemins à l'aide de ses machines. Il faut compter entre un mois et demi de travail pour obtenir le résultat escompté. Et la première étape de fabrication, c'est la trempe.
Voilà la première machine dans laquelle on fait l'opération de trempe. Ça s'appelle une laveuse. Une laveuse. C'est ici qu'on commence à laver les peaux pour les nettoyer. Elle n'a pas l'air bien récente, cette machine. Ah non, elle date de mon grand-père qui l'a installée en 1926. D'accord, troisième génération donc de parcheminiers à Annonay. Voilà. Lorsque Frédéric prend la tête de l'entreprise familiale en 1996, la production de parchemins et de peaux est sur le déclin. Il décide alors de mettre l'accent sur une fabrication de qualité destinée aux métiers d'art. Et la dernière peau est une peau de cerf. Un savoir-faire aujourd'hui rare et qu'il entreprend avec passion. Donc là, je mets un mélange de chaux, de sulfure et d'eau. Et ensuite, eh bien, je vais appliquer cela côté chair. Et ça va déstabiliser le poil. Déstabiliser, ça veut dire quoi ça... Ben ça va permettre de l'épiler. De l'épiler, d'accord. Voilà. Et avec l'éponge, eh ben, j'applique cet anchot côté chair. Ça va permettre d'enlever le poil deux heures après. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait la meilleure préparation du parchemin. La meilleure façon d'enlever le poil, c'est comme ça. Les maisons de luxe travaillent comme ça. D'accord. Après cette étape que l'on appelle l'enchaussage, on passe à l'épilage. Et cette fois-ci, c'est à Philippe de s'impliquer dans son rôle d'apprenti parcheminier. Avec le couteau. Donc je me positionne ici. Voilà, tu bloques la peau. Je bloque là, comme voilà, ça. Voilà. Et j'y vais comme ça. Voilà. D'accord. J'essaie. Hein. Tu pars le plus haut possible. Plus haut possible. Voilà. Ah, mais ça part. En forçant, voilà. Ah oui, en effet. Oui. Ça, c'est un geste que tu as vu ton père faire ce geste tu... Exact, oui. C'est lui qui t'a appris. Oui, exactement. C'est mon père qui m'a appris à faire cela. D'accord. Alors, j'ai fait l'école du cuir, mais on n'apprend pas ce genre d'épilation. Là, ce geste, je le fais à la main, mais il y a des machines pour le faire. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu moins précis aux machines qu'à la main. Inscrite à l'inventaire des métiers rares, la parcheminerie de Frédéric a été récompensée pour l'excellence de son savoir-faire. Voilà. Alors, on a fait l'épilage. Pendant 15 jours après l'épilage, les peaux ont séjourné dans un bain où il n'y avait que de la chaux. Et 15 jours après, on a une peau qu'on appelle, nous, une peau en tripe. Le pH est neutre, il n'y a plus de poils, il n'y a plus d'épiderme, il n'y a plus de gras, il n'y a plus de tissu sous-cutané. Maintenant que la peau est propre, eh bien, il faut la sécher. Pour la sécher, il faut la cadrer. La cadrer. Et la cadrer, au Moyen Âge, eh bien, nous avions des herses comme ceci qui permettaient de la tendre. Encore utilisé occasionnellement, le cadrage à la herse requiert un temps de travail beaucoup plus long. Mais quelle que soit la méthode employée, cette étape est importante. Elle permet à la peau d'obtenir un aspect lisse et efface toute trace de déformation avant le séchage. Voilà Philippe. Après une journée de sèche dans la cadreuse, eh bien, les peaux sont finies et on vend les peaux comme ça. Je comprends pourquoi les gens confondent le papier et le parchemin. Oui, d'autant plus que la peau qui est devant tes yeux, c'est ce qu'on appelle du velin. Et le velin, c'est pas du papier. Le velin, c'est du parchemin de veau. C'est comme cette peau-là. Oh. C'est du chevreau qui est travaillé de façon translucide. Et c'est ce qui était à l'image des premières vitres dans les châteaux forts. Gainerie, enluminure, éventail, accessoires de musique, le parchemin est toujours utilisé dans des domaines aussi nombreux que variés. Il reste 3 parchemineries en France, et celle de Frédéric en fait partie. Alors dépêchez-vous d'aller parfaire vos connaissances sur le métier. Son musée consacré au parchemin et au cuir vous ouvre ses portes toute l'année. Annonay est une ville de tradition industrielle, mais aussi d'innovation. Au XVIIIe siècle, elle a été la patrie des frères Montgolfier, les inventeurs du célèbre ballon du même nom. C'est sur la place des Cordeliers que Philippe a donné rendez-vous à une personnalité bien connue dans le coin. Tiens, voilà. Comment vas-tu? Bonjour. Oui. Préparé en vol? Ah oui, tu vois, on est en train de préparer notre affaire, là. Ouais. Président de l'association des Montgolfières d'Annonay, Roland est le descendant des inventeurs Étienne et Joseph de Montgolfier. Pilote depuis 40 ans, c'est lui qui va nous faire partager sa passion et son savoir-faire. On va t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1783, ce que les Montgolfiers avaient un peu cogité. Parce que c'est là, à côté de nous, on va aller voir ça. Et il faut absolument que tu t'imprègnes de tout ça avant de voler dans une Montgolfière. Suivons Philippe et Roland au centre de la place des Cordeliers, un haut lieu historique de l'aérostation.
C'est exactement ici, là, que s'est passé le premier vol en 1783, le 4 juin. Ils ont amené un ballon en papier, ils ont fait du feu par-dessous, et le ballon s'est gonflé, et ils l'ont lâché, et hop, c'est parti. Ici, il y avait tout un honneur est arrivé là. Il y avait les états généraux, bien entendu, mais le tam-tam a marché, et tout le monde est venu voir cet événement incroyable, quoi. Aujourd'hui, une plaque commémorative rappelle cet événement, bien souvent confondu avec le vol effectué 3 mois plus tard à Versailles, devant le roi Louis XVI. Roland nous emmène à quelques kilomètres du centre-ville. Avec lui et Philippe, nous allons avoir la chance exceptionnelle de découvrir l'Ardèche verte vue du ciel. On va vivre un instant phénoménal. Une fois la toile dépliée et les brûleurs activés, attention, c'est parti là. L'immense montgolfière se redresse et prend sa forme généreuse. Il est temps à présent de rejoindre le pilote à bord de la nacelle. Voilà, tu vas te mettre devant. Devant Oui, sur le côté, là. Tiens, impeccable. Voilà. Là, ça va aller bien, là. Un décollage tout en douceur et en légèreté. Voilà, c'est parti. C'est parti. Tout comme ses ancêtres il y a 233 ans, Roland va vous faire vivre un vol inoubliable. Avec lui, vous allez pouvoir admirer à 360 degrés un panorama à couper le souffle. Oh, regarde-moi, non, comme c'est beau, là. Alors, la place des Cordeliers, tu la vois, là, on va passer au-dessus, là. Dessous, là, tu vois, là, dessous, la place des Cordeliers, là. Ah, oui. Ça y est, on est sorti d'Annonay. Ouais. Et donc, c'est la campagne. Tu vois, Roland, la montgolfière, c'est vraiment super, super moyen pour découvrir l'Ardèche, quand même. Tu vas doucement, tu as de la hauteur, tu entends les bruits. C'est un balcon, je te dis, tu domines tout. Notre voyage touche à sa fin. Vous savez désormais que l'Ardèche ne se limite pas à ses somptueuses gorges. C'est aussi un panel de trésors historiques, architecturaux, culinaires et sauvages. Autant de lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie.